Eh bien, salut les amis, c'est Miron, on se retrouve pour ce 9e épisode de la Carrière Manager avec Arsenal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour ce 9e épisode. On est lundi 23 novembre, normalement, si je me foire pas. Lundi 23 novembre, aujourd'hui c'est un épisode spécial, on va être zen, peu importe les résultats. Ah oui, quand même. On en est quand même à 6 défaites en première ligue. C'est quand même chaud, hein. 20 divisé par 2... Non, non, non. Il nous reste un match avant la trêve hivernale. Enfin, je veux dire... un match avant pour la moitié de saison. 30 points, globalement, on peut encore avoir le titre, hein, mais ça va être très très compliqué quand même. Ça va être très très compliqué. On a le mercato, on m'a proposé des joueurs. On m'a proposé qui? On m'a proposé Isco, on m'a proposé en latéral gauche Bernat. Mais en latéral gauche, je ne prendrai pas de latéral gauche du fait que j'ai Ryan Bertrand, Guise, Monreal. Et j'en ai peut-être d'autres, mais je ne me rappelle plus. Abner aussi, ça m'en fait déjà 4. Monreal devrait partir. A droite, j'ai Bellerin, Chambers, Jenkinson, Debuchy. J'en ai 4, Debuchy devrait partir, donc je n'ai pas de nécessité à recruter. On m'a donné aussi un conseil, c'est de mettre Ozil sur le côté droit et de recruter un MOC qui serait vraisemblablement... On me conseille de recruter Isco, mais moi j'ai d'autres plans. Voyez pas en ça que je ne respecte pas vos choix, hein, vos désirs. Bien sûr que j'aime beaucoup Isco, mais Isco c'est pas un joueur que je m'intéresse. Là globalement, bon, ok, là je recrute plutôt des joueurs qui pourraient vraiment jouer à Arsenal, enfin qui auraient pu ou qui pourraient jouer à Arsenal. Lewandowski, je crois qu'il a été peut-être de loin carrément été associé à Arsenal, c'est pour ça que je l'ai recruté. Mais je prévois aussi quelqu'un d'autre. Qui a été recruté, qui a été demandé à recruter. C'est quasiment acté qu'il rejoigne l'Arsenal et finalement il les a pas rejoints. C'était en... je crois que c'était en... Il y avait déjà Ozil, c'était en... Je sais pas... 2013... 2014, 2013, je sais pas. Ouais, 2014 je pense. Et j'adore ce joueur, je l'ai dans... Il a été l'année dernière dans l'équipe... Enfin, l'année dernière, c'était il y a surtout 3 mois. Dans Sky's Limit. Mais bon, de toute façon, on a Bournemouth, Bournemouth. Je sais pas vraiment comment on le dit. Donc, on a Bournemouth. Je sais pas comment on dit, franchement. Crew Alexandria, Newcastle et Liverpool. Alors soit je m'arrête là. Ouais, je devrais m'arrêter là directement après le match face à Liverpool. Et après vous me donnerez d'autres conseils. Aussi, je vous l'annonce. Bon, j'annonce ça un peu à l'avance. Mais c'est juste que dans quelques épisodes... C'est-à-dire pour l'épisode... Où j'en reparlerai à l'épisode. C'est juste que... Qu'un épisode, je tournerai 2 épisodes de suite parce que je sais qu'il y aura une semaine où je pourrai quasiment pas tourner. Je prendrai mes précautions ce jour-là. Donc là, c'est un peu un mois à l'avance. Donc en gros, dans un mois, ce qui fait 4 à 5 épisodes, il y aura 2 épisodes que je tournerai à la suite. Donc j'aurai pas vos ressentis, c'est tout. Alors on va lancer le match directement, je ferai les changements par la suite, non par contre ça va pas du tout. Oui on conseille de mettre, bah tiens justement ce que je vais faire, non je peux pas le faire ça. C'est Bournemouth, on devrait pouvoir quand même gratter des points à place de d'Arteta pardon. On va mettre Rosicky, hein, Bernard, on va peut-être le tenter à ce poste là. Parce qu'il peut pas jouer MC, lui, non, il peut pas jouer MC, toi non plus. J'ai un autre MC ou pas? J'ai Ramsey, ouais, mais bon. Coquelin, il est où?
Il est peut-être déjà sur le terrain en même temps, ouais. Koscielny, on a qui en défense? Mertesacker, ouais, non, Mertesacker, ça va pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Montréal. Et là, on va mettre Gibbs. Puisque Gibbs n'a pas joué le dernier match, je me trompe pas. Et d'ailleurs, j'ai fait une grosse connerie parce que j'ai Gabriel, hein. Walcott, long, voilà. Globalement, l'équipe est plutôt pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc, Arsenal, Bournemouth, c'est parti. Pourquoi j'ai mis Ospina? Pourquoi j'ai mis Ospina? Quel débile. Là, il va tirer en bas à gauche, moi je dis. Ah non. Allez. Ça, c'est dommage par contre, Gibbs. Allez, Rosicky. Oh, Walcott. J'ai pas voulu faire un but PES. J'ai pas voulu faire le but PES. Faut jouer sérieux là les gars. Ah non, 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 ah non. Voilà. On manque cruellement de réalisme. Le mec, voilà, on fait une mauvaise passe, voilà. Y'a rien à dire, 1-0 pour eux. Ah donc voilà, ça me saoule globalement. Globalement, voilà, on est zen, on a perdu, voilà. Franchement, allez, on passe. Je veux même pas que vous montrez les stats tellement que c'était affreux. Et franchement, EA, si vous m'écoutez, il y a très peu de chances que vous m'écoutez, virez-moi ce putain de truc de « Oh là là, l'équipe gagne, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le ballon, on va se mettre dans le coin. » Enlevez ça, sérieusement. Enlevez ça. Il y en a ras le cul. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. On sait putain de joueurs qui... Ils sont pas capables de planter. Les mecs, tirent une fois, ils plantent. Moi franchement les gars, je vous le dis, j'en ai marre quoi. Proposition de transfert Mathieu Debuchy. 8,5 millions contre-proposition, pardon, je vous... 12 millions il avoue. Tac, alors, on a qui? T'es guide. D'accord, donc on va faire jouer une équipe, une petite équipe, là. Écoute, on va faire jouer la même équipe. Il fait peut-être faire quelques petits changements, mais voilà. Ah oui, c'est vrai qu'Arteta est blessé, donc au milieu, je vois pas pourquoi il devait être blessé. Non, on va plutôt mettre Wilshere. Par contre, sur le côté gauche, faut que je recrute le joueur en question. Là, on va mettre Sanchez Iwobi, qu'on va mettre à la place de Bernard. Walcott qui va laisser sa place à Bernard. Gibbs qui va prendre la place de Bertrand. Non, Bertrand va le faire jouer.
Au milieu, Coquelin, Chambers, Mertesacker. Chambers a fait un très bon match. Jenkinson, on va le mettre dehors. On va prendre. Mondré, non. On va prendre sa droite. Il est où? On a qui en droit? On a Bellerin, ok. Attends, on a qui en défenseur droit? Debuchy, Chambers. Mais écoutez, on va faire jouer Chambers, mais on... Et là, on va mettre Gabriel. On va mettre Chambers en truc. Voilà, blablabla. Ça devrait être bon, normalement. Ospina, par contre, Ospina, honnêtement, les amis, Ospina me saoule. Hein. Ah, je vous le dis clairement, Ospina me saoule. Il foire tous les arrêts, hein. Voilà, chaîne longue, voilà. Ouais. Genre, on va tester quand même Isgrove. Wilson, pardon. Donc c'est parti, Arsenal, Crew Alexandra, on a intérêt à gagner. C'est bizarre qu'il y ait Lewandowski, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. Pas un pour attraper l'autre. Putain, personne joue ensemble là. Bien joué Bobby. Superbe action encore là, Bernard qui... Arsenal FC dans la vallée, tra la tra la 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 dans la vallée. J'aimerais bien honnêtement avoir une équipe qui joue de temps en temps, parce que là globalement dans le match on a clairement rien fait. On n'a pas la possession, on n'a rien. Et à un moment moi ça commence sérieusement à me saouler. Moi je le dis clairement, ça me saoule. J'aimerais avoir une putain d'équipe qui joue sérieux. Parce que là globalement on prend le but sur la fin. Pourquoi déjà vous posez la question, pourquoi t'es mis en ultra offensif et en attaque de folie? Ah, tout simplement parce que j'en avais ras le cul quoi. J'en avais ras le cul que cette équipe fasse rien quoi. Tac, donc on va aller chercher le joueur que je veux comme ma recrue. Alors où est-il? Normalement il y a encore c'est pas... Ah, Marcel il vaut 11 millions. Non non non, voilà, c'est Julian Draxler. $9 millions. J'espère qu'on va vendre Debuchy. Il
Enfin, il y en aura d'autres qu'on va essayer de vendre aussi. Donc, rapport équipe. Contrat. Attaque. Bah ouais, bah va te faire foutre, hein, mon petit gars. Yantoral, ouais, il y en a, faudrait que je prolonge. On va les prolonger, on va s'occuper de les prolonger, tac, 10 000. 10 000 titulaires en devenir. Puis les machins trucs là, 3 900. Toi, 2 900. Tellement que je suis gentil, je t'offre 3 950. Toi, 2 900, pareil. Je suis généreux, hein. Yantoral, je t'ai pas fait, toi. 20 000. Mour. Toi, 2 900. Okono. Voilà, et les autres. Déjà Bellerin, on va lui offrir une prolongation de 2 ans à hauteur de 55. Et quasiment titulaire important. Isaac Hayden. Tac, alors. Proposition de transfert pour Mathieu Debuchy, c'est déjà été ouvert ça. Ah, 10 millions il avoue. T'inquiète. Tac. Proposition de transfert, Robert Lewandowski. Je refuse toutes les offres, je suis pas prêt à vendre mon attaquant vedette. Tac, oulala. Oulalalala. Refusé pour Yantoral. Ouais, tu veux que... toi tu vas te calmer. Victor Bellerin, normal. Ouais, ok. Bon, en fait c'est juste que j'ai pas dit... c'est qui Yantoral? 20 000 titulaires en devenir, pareil. Tac, Pélé, machin truc. Par contre, crois-moi que je vais bien te mettre les 900. Hein. Je voulais t'offrir 50 euros par semaine de plus, bah voilà. Tac, tac. Oh, on a Newcastle à jouer. On descend en ce moment, on descend. Hein. 7ème défaite en première ligue encore. Il nous reste 2 matchs dans cette vidéo, je crois. Oui, normalement. Alors, voilà quoi, clairement. On devrait être beaucoup plus devant. Ouais. On devrait être beaucoup plus devant. Pour moi, c'est une honte d'avoir perdu 7 matchs. Donc voilà, on va jouer match. Tac, face à Newcastle. On avait fait quoi face à Newcastle? On va quand même espérer. Moi j'espère un truc par contre, c'est que je me fasse pas virer en fin de saison en fait. Alors Newcastle, on n'avait pas joué là. Pas joué là. On avait fait 2-1 pour nous. 2-1 pour nous, c'est plutôt cool, hein. Donc tac. Alors, on a Lewandowski, Wilshere, Ramsey, Chamberlain. Bon, là, on me dit de faire ça. Donc là, je tentais quand même un petit truc, ça sera nouveau.
On va tenter Bernard comme ça. Voilà, globalement, ça devrait être bon. Mertesacker, on va peut-être pas mettre Mertesacker. Je vais tenter un petit Gabriel s'il est pas... Bon, on va mettre Gabriel. Ryan Bertrand, il est fatigué. Coquelin, tu verras toi pour plus tard ton salaire là. Ah, par contre Wilshere est bien sonné le petit là. Donc on va quand même mettre Coquelin en la place de Chambers. Et c'est parti entre Arsenal et Newcastle. Allez, Emery Stadium, c'est parti. Ce jeu, il est pas possible. Je vous dis, il y a un truc qui va pas dans ce jeu, franchement. Pas jouer, on peut pas jouer. Oh là 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 là, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est laborieux tout ça. Qu'est-ce que c'est laborieux. On les aide, on passe, on fait comme s'il n'y avait rien encore une fois. On n'a pas joué de match encore, hein. 3 matchs, on en a joué aucun. Quand même bizarre, hein, franchement. On est censé être zen, mais franchement, cette équipe, elle peut pas me laisser zen. Je peux pas vivre avec cette équipe. Alors, qu'est-ce qui c'est qui parle encore? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ok, qu'est-ce que tu veux? T'es qui, toi? Allez hop, tout cela, là. Allez hop, tu veux quoi? Tu veux 2900? T'auras 2900. Alors casse-moi pas les couilles. Ah non mais franchement, cette équipe elle peut pas. Je peux pas avec cette équipe, je peux pas. Cette équipe m'énerve. Franchement, j'ai même plus envie de jouer avec. Ce club aura ma mort. Oh, je vous le dis. Ce club va me faire rentrer en dépression. Je vais mourir pour ce club, moi. Putain, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas possible, quoi. Faut que je mette encore combien sur la table? Faut que je mette encore 90 millions sur la table pour avoir une équipe qui joue à peu près potablement? Proposition de transfert. Qui c'est qui va partir? Arteta. Il en propose 10 millions. Allez, hop. Casse, je veux plus te voir. Allez, offrez-moi Draxler là, s'il vous plaît. Transfert rejeté. Draxler. Oh. Millions pour le Van Persie. Giroud, Draxler. Soumettre nouvelle offre. Pas un joueur à foutre avec. Ouais, je vous donne Flamini avec, je suis gentil. Hein. Je suis même très généreux, je trouve. Tac, tac, tac. Oh là là, franchement, mais... Ce club aura ma mort, les amis. Hein. Franchement, moi, je vous le dis.
Gabriel, chaîne longue. Non, mais non. Gabriel non plus. Pourquoi vendre Gabriel? Oh, ça c'est intéressant. On a quoi? Ça on s'en fout. T'es qui toi? On verra après. Toi on verra après. Ok, Yantoral, ok, fin du... Tu fais chier Arteta, hein, clairement. Ryan Bertrand pour 13 millions. Non, je refuse. Merde, j'ai mis refusé toute offre. Et là, je vais accepter. Normalement, ils sont... Ouais, vas-y, viens, allez hop, on accepte. Comme ça rajoutera quelques matchs. Voilà. Ryan Bertrand, tac. Joueur vendu, cool. Vous offre 18 millions pour Robin Van Persie. Et j'ai un autre joueur aussi à faire. Qui est en fin de contrat en juin et que je pourrais avoir gratuitement. Tac, on va aller dans transfert chercher joueur. Il aurait pu rejoindre Arsenal. C'était il y a très très longtemps, hein. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Bon, aujourd'hui ça risque plus d'arriver, hein, clairement les amis. Ça risque clairement plus d'arriver, donc 275 000. 290 000 même je lui offre, oh putain je sais pas. Attends, bouge pas, on va réduire. Le truc des transferts là. Tac, il me faut 75 000. Voilà, nickel. Tac. Ah, c'est un joueur qui est gratos, donc j'en profite. Zlatan Ibrahimovic. Ça peut être sympa, quoi. Un an, titulaire indiscutable. Ne pas préciser, peut-être qu'il va accepter, hein. N'empêche que si on a Zlatan, c'est drôle. Ça met de la fantaisie au truc, quoi. Tac. On l'aura qu'en hiver, par contre, faudrait espérer en hiver, en été. Dotation compétition, qu'est-ce qui se passe? Ok. Match décalé, conférence de presse. Motivé. Et par contre, pour Draxler, ils m'ont fait quoi avec Draxler là? Contrat. Transfert, déjà on va me vendre des joueurs. Non transférable. Pourquoi? Ah d'accord. Abner, Bernard, Crowley, Flamini, qu'on va placer sur la liste des transferts. Arteta, qu'on va placer sur la liste des transferts. Ospina, qu'on va placer sur la liste des transferts. Wilson, Gibbs, Wilshere, Oxlade, toc toc. Montréal qu'on va placer sur la liste des transferts. Voilà, normalement c'est bon. Tac. Eh mais normalement on n'avait pas Liverpool à affronter. Bon bah si on est encore là, à ce moment-là, bah on aura peut-être Zlatan Ibrahimovic. Ça peut être drôle, non? Oh le mec. Le mec au frais, tranquille, le mec il recrute Zlatan comme ça. Ma liste prioritaire, ils en sont où là avec Draxler là? Robin Van Persie, on l'aura pas. Et Draxler, mais on en fait quoi? Je mets 16 millions. Plus Arteta.
You are Theta. You are Theta. Arteta, ça fait 28 millions. Ouais, c'est bon. C'est pas scrème. Allez, vous pouvez me l'offrir. Attends, ils veulent combien là? Mais je les cherche où moi, c'est... Cette somme là, moi. Et si je leur donne Campbell? Donc on va jouer face à Stoke City. Voilà, tac. Pour le dernier match de cette vidéo, on va jouer avec l'équipe 1, hein, logiquement. Par contre, ne me dites plus de mettre Ozil sur le côté droit, parce que Ozil sur le côté droit, c'est affreux. Par contre, on va tenter Walcott. Non, on va tenter Chamberlain, on l'a pas vu. Voilà, globalement, ça passe. Ouais, c'est parti, j'ai pas envie de trop chercher pour l'équipe. Arsenal, enfin Stoke City, Arsenal au Britannia Stadium, c'est parti. Je vais péter un câble. Franchement les gars, je vais péter un câble. Bon, il y en aura le cul. Alors on va faire un dispositif en 3, quelque chose 2 là, allez hop, comme ça. Alors toi tu sers à rien, donc on va te mettre... Oui, cher déjà, tac. Tac, alors toi tu sors, on va mettre Walcott. Parce que là, franchement, j'en ai ras le cul. Franchement, j'en ai ras le cul. Le mec quoi. M'en fous, je tape le tout droit. J'ai aucun respect honnêtement les gars. J'ai aucun respect là honnêtement là, je suis... Bon, ouais, voilà, vous avez vu, hein, c'était beau. Hein. Alors globalement, quand je disais que la vidéo serait zen, quand je parle, je suis zen. Mais dans le jeu, je suis loin d'être zen, clairement. Genre suspendu, franchement, mais voilà. À un moment, faut être sérieux. Attendez. Tac. Alors, tac, d'accord, donc ouais, globalement, oui, on va avancer jusqu'au prochain match, un petit peu, parce que quand même, est-ce que je crie contre l'arbitrage ou pas? Ospina et David, David Ramsey, non, vous me proposez 10 millions, franchement, je vous offre Ospina. Ramsey, il est toujours intouchable, ça sert à rien, il est intouchable Ramsey. Tac, alors.
Alors. Ouais, mais non. Ah, c'est embêtant. Ah, mais plus Arteta. Ouais, mais non. Je pourrais offrir qui? Plus Coquelin à la limite. Alors, voyons voir. Ah ah ah, toujours le petit bug, vous voyez, vous pouvez pas bouger les boutons et tout, machin truc. Alors. D'accord. Ils se moquent de moi là encore? Oh mais... Ils sont sérieux? Là clairement là je ne peux rien faire. Bon clairement... tac... Bon... Qu'est-ce qui va se passer là? Oh là là... Bon... Oh que ça m'énerve. Bon, on va se calmer, bon. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Franchement, là, j'en peux vraiment plus. FIFA, franchement, ça me dépasse. J'adore faire des vidéos pour vous sur FIFA. Hein. J'aime être avec Arsenal et tout. Mais globalement, quand je vois les décisions arbitrales, bah, les bugs comme celui-là, hein, par exemple, hein, là, je peux strictement plus rien faire. Je sais pas si vous le sentez ou quoi que ce soit, mais ça commence un tant soit peu à me saouler. Clairement, franchement, là, ça commence à me saouler, donc... Je vous remercie de m'avoir suivi. Petite parenthèse, juste une chose. 13 novembre 2014... 15, pardon. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là, machin truc. J'en ai pas parlé, puisque j'estime... je l'ai peut-être... vite fait dit pour dans la ligne de mire qui apparaîtra normalement demain, mais pour moi j'estime que je ne suis pas apte à en parler, je n'ai pas à dire quoi que ce soit dessus, tout ce qui avait à dire ont déjà été dit, c'est un acte abominable pardon. Est-ce que c'est pourquoi aujourd'hui j'ai très mal joué? Peut-être, je le pense. Mais faut pas se cacher derrière des excuses. C'est trop facile. Voilà, clairement. C'est un événement très important pour nous, Français. J'ai pas souhaité en parler puisque j'estime que beaucoup l'ont fait. Et j'estime qu'en rajouter, ça serait... Ça serait barbant à force, vous comprenez? L'idée c'est que... À force qu'on vous dise, qu'on vous répète toujours les mêmes choses, c'est cool. Ça permet de pas oublier. Mais à un moment vous allez dire ouais ouais ils disent tous la même chose, machin truc. Non. Moi ça me suffit juste de dire c'est un acte abominable. Je suis consterné par ce qui s'est passé, je souhaite vraiment plus avoir à revivre ça. Même si j'habite relativement loin des événements, ça peut être demain, ça peut être au bas de chez moi. Bon, peu importe, on passe là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi, à la prochaine pour de nouvelles aventures. À demain pour une ligne de mire numéro 3. Je vous remercie. Peace.